Alors, au cours de nos travaux de recherche sur la communication chimique, on a découvert quelque chose qui était soupçonné notamment par les obstétriciens quand ils mettaient des bébés au monde, mais aussi par les vétérinaires observant des jeunes animaux qui venaient de naître, c'est qu'il existe des signaux échangés entre la mère et sa progéniture, mais d'ailleurs aussi entre les petits et leur mère. Ces signaux chimiques, notamment ceux émis par la mère, sont très intéressants parce que ils interviennent en créant un contexte de confiance, la confiance au sens physiologique du terme, c'est-à-dire une capacité à aller de l'avant sans être stressé, en étant capable d'apprendre et d'utiliser au maximum ses ressources. Et ces signaux qu'on a appelés apésine maternelle sont des signaux qui permettent en réalité de créer la bulle rassurante que chaque mère va créer au moment de la naissance de ses petits et pendant tout leur développement précoce. Là où la sémiochimie permet d'apporter un nouvel angle pour aider les êtres vivants, y compris l'être humain, c'est qu'on peut en quelque sorte créer une abstraction de la mère en apportant au moins cette bulle. Il est évident que ça ne remplace pas la totalité de l'interaction avec la mère, surtout chez les espèces très développées, très sophistiquées au niveau cérébral, mais ça permet quand même d'apporter un socle rassurant à partir duquel l'organisme est capable, l'individu est capable d'utiliser au maximum ses ressources en évitant d'être handicapé par l'état de stress.